Excusez-moi, vous êtes en train de me gauler. Non, non, c'est faux. Il trouve pas sa bille. Ah, mais tiens, c'est que... Mais c'est qui se fait rouler? On comprend rien. Allez, on a l'oreillette, mais on l'enlève. Ce serait pas mieux qu'il y en ait un qui soit resté dans la bagnole et un qui soit en haut pour surveiller avec les jumelles. Non, non, il fallait que les deux soient en haut. J'adore ces scènes d'action qui servent à rien. Ça, ça fait quoi? Il y a les mecs qui en ont une grosse, ça les fait bander de voir ça. J'ai pas encore compris à quoi ça servait. Ce genre de séquence. Pour les gens qui aiment les bagnoles, ah oui, ils ont la nouvelle Ford Fiesta, c'est génial. Je pense bien comme ça qu'ils vont éviter les balles. Hein. C'est encore moins crédible que les quand il y a le combat de monstres avec Xor. Parce que Xor, ça se veut justement pas crédible. Eux, non, ils veulent faire le truc super crédible alors que c'est Kranios. Ils font que des à-coups, mais ils vont tout droit. Jamais ils perdent le contrôle alors qu'ils font que des à-coups avec le volant. Et il devrait travailler pour Sébastien Loeb. Hein, parce qu'il lui dit... juste après, c'est déjà fait. Il anticipe alors qu'il lui dit après ce qu'il faut faire. Fais gaffe, non, s'en fais pas gaffe. Et l'autre, il sert à quoi à côté, le flic? L'autre, lui, il sert de copilote. Mais le co-flic, il sert à quoi? Il dit rien. Il est juste passager. Et allez, l'accident, j'adore. Waouh, impressionnant. À cette vitesse, il n'y a que ça comme impact. C'est pas crédible, mais bon. Ils sont tous là que le là, c'est séquence Benny Hill. Ils sont pas pris en sandwich, c'est tous ils les suivent. Alors il arrive pas à viser les pneus d'une bagnole, mais par contre il arrive à faire ça. C'est super crédible. Encore pire que ce que. Encore plus crédible que comment il s'appelle Nicky Larson. Oh.